Dougie se déguise. Dougie, Dougie, quel sera son déguisement pour jouer avec ses autocollants? Près de lui, son fidèle ami lui donne toujours son avis. Attention, l'aventure va commencer. Avec Dougie, nous découvrons un univers enchanté. Dougie se déguise en chef de chantier. Ah, bonjour tout le monde, vous voulez jouer avec moi et mon album d'autocollants magiques tout neuf? Oui! Et si on collait ce petit oiseau? Ici, sur cette branche. J'ai une super idée, ça vous dirait de venir jouer avec moi dans le monde magique des autocollants? Oui! Ce sont les trois petits cochons du conte de fées. Allons leur dire bonjour, ils ont l'air gentils, tu ne trouves pas? Bonjour petit cochon, pourquoi vous courez si vite? Il paraît qu'un gros loup rôde dans la forêt. Alors nous, on essaie de s'enfuir. N'ayez pas peur petit cochon, on n'a pas vu de loup par ici nous. Vous avez entendu? C'est le loup et je suis sûre qu'il veut nous manger tous les trois. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut construire une maison en pierre avec une grosse porte bien solide. Quand vous serez dedans, le loup ne pourra plus vous embêter. Construire une maison en pierre, c'est trop de travail. Moi, je préfère en construire une en bois. C'est beaucoup plus facile. Et moi, je vais en construire une en paille. J'en ai pas pour longtemps. Ensuite, je vais pouvoir jouer. Mes frères sont trop paresseux, ils ne pensent qu'à s'amuser. Ne t'inquiète pas, si tu veux construire une maison en pierre, on peut t'aider. Oui, mais d'abord il faut choisir le déguisement qu'il faut, Dougie. Tu as raison, Titou, je vais chercher un déguisement dans mon album. Je vais me déguiser en chef de chantier. Un chef de chantier, c'est exactement ce qu'il me faut. Avec ton aide, je vais pouvoir construire une belle maison en pierre. Pendant que ses frères paresseux jouaient au ballon, le petit cochon travailleur a commencé à construire sa maison. Et si on la construisait ici? Oui, c'est l'endroit idéal. Bon, au travail, si on commençait par le toit. Oh non, surtout pas. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on fait. On ne commence pas par le toit. Mais bien sûr, quelle drôle d'idée. Les trois amis ont recommencé. Mais cette fois, ils ont d'abord commencé par construire les murs de la maison. Et c'est seulement après avoir terminé les murs qu'ils ont mis le toit. Regardez-moi ça! Maintenant, il suffit de placer la porte et la fenêtre. Vous pouvez nous aider? Vous pensez pouvoir trouver la porte et la fenêtre de la maison? Oui! Lequel de ces autocollants est la porte de la maison? Est-ce que c'est celui-là? Oui! Bien, on a presque fini la maison du petit cochon. Maintenant, j'ai juste besoin de votre aide pour trouver la fenêtre. Est-ce que c'est une fenêtre, ça? Non, c'est un cerf-volant! C'est Titou qui est ravi. Il adore jouer avec les cerfs-volants. Essayons encore une fois. C'est une fenêtre, ça? Oui! Vous avez trouvé! Bien joué tout le monde! Vous êtes vraiment géniaux!
Regardez la maison, nous avons terminé. Youpi, youpi. Et encore. Dougie, Titou et le petit cochon travailleur étaient très contents, car ils avaient terminé de construire la maison. Au même moment, le loup s'approchait de la maison du petit cochon paresseux. Cochon, je peux entrer dans ta maison? Pas question! Je ne vous laisserai pas entrer dans ma maison! Oust! Ah! Au secours! Le loup veut me manger! Au secours! Vite! Viens dans ma maison! Petit cochon, je peux entrer dans votre maison? Non, non et non, jamais! On ne vous laissera jamais entrer! Allez-vous-en, méchant loup! La maison en bois n'était pas plus solide que la maison en paille. Elle n'a pas résisté et s'est écroulée en mille morceaux. Les deux petits cochons ont couru aussi vite qu'ils ont pu pour échapper au loup. Pendant ce temps, le cochon travailleur profitait de sa nouvelle maison en pierre avec Dougie et Titou. Il a soufflé, nos maisons se sont écroulées. Maintenant, il vient souffler ici. Ne t'inquiète pas, ma maison est très solide. Il ne pourra pas la détruire rien qu'en soufflant. Tout à coup, le loup est arrivé. Voyant qu'il n'arriverait pas à entrer dans la maison par la porte, le loup est monté sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée. Mais qu'est-ce que c'est? Le loup entre par la cheminée! Ne vous inquiétez pas, je vais regarder dans mon album. On va mettre une marmite remplie d'eau dans la cheminée pour que le loup tombe dedans. Oh, bon bain chaud, c'est exactement ce qu'il me fallait, merci beaucoup! Mais je ne comprends pas. Vous n'êtes pas venus nous manger tous les trois? Mais bien sûr que non, quelle idée. Je suis végétarien, voyons. C'est juste que j'ai attrapé froid et je voulais me réchauffer un peu. Je ne voulais pas détruire vos maisons, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, monsieur les loups. C'est un peu de notre faute de les avoir si mal construites. On était trop paresseux pour faire de vraies maisons. Ma maison est grande, vous pouvez vivre avec moi. Il y a de la place pour tout le monde ici. Eh bien, moi aussi je dois rentrer à la maison. Oui, c'est l'heure d'y aller. Au revoir tout le monde. Dougie. Oh. C'est l'heure de se mettre à table. D'accord. Alors, tu t'es bien amusé avec ton album d'autocollants, Dougie? Oh oui, et j'ai appris plein de choses. J'ai découvert que les maisons en pierre sont plus solides que les maisons en bois et qu'on fait tenir les briques ensemble avec du ciment. Et est-ce que tu savais que même les loups peuvent attraper? Ainsi, Dougie a raconté à sa maman et à son papa les aventures qu'il a vécues ce jour-là. Il leur a dit aussi qu'un jour, quand il sera grand, il sera chef de chantier.